Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 9 mai sur l'hippodrome d'Åby en Suède. Avant de ne faire quoi que ce soit, revenons sur le quintet allemand de la veille qui avait lieu ce jeudi sur l'hippodrome d'Hanovre. Majestic Colt, le numéro 6, s'impose de peu devant Thousand Shona et permet à Turf Selection et Top Prono de donner le tiercé ordre, le quartet des ordres et le quintet des ordres de 149,20 €. Pour nos amis du concours de pronos gratuits, beaucoup de gagnants et notamment Loulou 56, Bibi 19 et Mouche 60 qui donnent tous trois le quintet plus dans le désordre ainsi que les bonnes bases et s'emparent des trois premières places du classement quotidien. Bravo à tous les trois. Allez, évoquons maintenant le tiercé quartet quintet plus du samedi 9 mai 2020. Une fois encore, direction la Suède et plus précisément Åby où le prix 12 rebelles sera à l'honneur. Cette 11e course de la Réunion 1 mettra aux prises d'excellents trotteurs âgés de 4 ans. Sur le parcours des 2140 mètres, ils seront 12 à prétendre au succès et nul doute que le chrono pourrait encore s'affoler. Aetos Chronos, le numéro 2, est un cheval de très grande classe qui a tout de même gagné par 3 fois des épreuves classiques. Venant de s'imposer avec style pour sa réapparition, il va répéter ici. Green Mananishi, le numéro 5, est arrivé il y a peu dans les box de Stefan Melander. Deuxième d'Aetos Chronos, notre favori récemment, avec l'aide de Björn Goop cette fois aux commandes, il peut espérer prendre sa revanche. Power, le numéro 4, est un élément de grande classe entraîné par Robert Berg. Avec un bon numéro derrière la voiture, il est logiquement capable de terminer dans les trois premiers. Karat Band, le numéro 8, déféré les quatre pieds pour la circonstance, est en mesure de se sortir du numéro 8 en dehors. Austerck, le numéro 1, a énormément de talent et peut logiquement profiter de la drive d'Eric Adilson pour confirmer sa dernière victoire obtenue avec un certain style. Upset Face, le numéro 7, est un pensionnaire de la famille Colgini pouvant s'illustrer dans ce quintet plus. Sinon partant il venait y avoir, Clickbait, le numéro 3, entrerait alors dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet.